C'est pas drôle, mais... Après moult réflexions, nous avons trouvé la panne. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui faut filmer ce moment là. Ah ouais, c'est moi. Bonjour. Eh, vous avez vu? En fait, on a changé d'endroit, on déménage. Majral. On va à Lurcy. J'y vais rouler. C'est ta première quoi. C'est mon premier circuit. C'est un peu quelque part. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, on met un peu d'essence parce que sinon, on va pas aller loin. Prendre la route jusqu'au Airbnb, bien se reposer. Puis demain, on va essayer d'envoyer un peu ce qu'on peut. Surtout que demain il va faire 40 degrés. J'avoue que 40 degrés, déjà moi je vais ressortir de là-dedans, je fais 104, je vais finir, je fais 70. Normalement je devrais pas avoir de problème de chauffe parce que c'est bon. Mais bon. Bon, on est parti. Ah bah ça met de l'essence dans mon auto aussi. Parce que c'est important aussi, il faut mettre de l'essence. Faut que j'avance un peu. Oh quel enfer. Attends, il y a l'entonnoir, mais je sais pas où je l'ai mis. Laisse ça l'armoire, frérot. Bon, encore merci à Mac Motors. Hein. Encore une fois, Mac Motors, il nous sauve bien la mise. Eh Fabien, t'es tenu ton avis? Je suis sûr, il y en a, ils l'ont déjà fait avec un tournevis, genre un truc tout fin. Genre, ils sont tombés dans le réservoir, ils se sont retrouvés comme des cons. Là. Quand tu tournes, glou 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 glou. Bon, t'es content quand même? En fait, t'es stressé, content? Je suis stressé et excité. Oh là, j'en connais une ce soir à prendre cher. Hein. Pas du tout, genre j'arrive. Non, faut que je me détende quand même. Et comment tu vas te détendre? Ah, en dormant. En train de beau sommeil. Ouais, c'est très ça. Profondément. Surtout qu'on a pris un Airbnb, apparemment il est patate. Oh, salut. Pourquoi on part pas maintenant? Bah parce qu'il finit de mettre de l'essence mon bébé. C'est long. Ah bah t'aimes bien quand c'est long d'habitude. La sensation d'être sur le circuit, dire que tu peux bombarder, pas perdre ton permis. Alors en plus si tu peux te foutre en travers. Déjà la dernière fois c'est pas ce qui nous a empêché de se mettre en travers sur la route. Oh tout de suite les grands mots. Clémentine? Oui. À ce qu'il paraît ce soir tu vas prendre cher. Ah ouais? Ouais. Voilà, ça c'est... La meuf... Ah ouais, de... ouais. Ça va, baby? Gardien qui sait que... Bon bah tout va bien. Vérification de serrage. Tout à fait. Bonjour. Oui, comment ça va? Ah, c'est pas la dépanneuse, hein? Ah, bah, c'est ce qu'il a dit. Je t'aurais dit plus tard. Très bien. Ah, 140, c'est pas mal. Ça va, toi? Maintenant un petit moment qu'on roule et vous savez PSR, c'est pas possible que tout se passe normalement. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis assez longtemps, on a fait une vidéo qui s'appelle un week-end cauchemardesque où on va au circuit de Méricourt. Et en allant au circuit de Méricourt, je sais pas si vous vous souvenez, le Scudo il avait explosé la durite de turbo, enfin qui relie au turbo. Et bah sachez que elle vient d'exploser pour la quatrième fois. Voilà. Juste la quatrième fois. Là, c'est la quatrième fois. Voilà. Donc là on va à Lurcy Lévis pour que Jérémy puisse rouler. Et voilà.
ça nous avait pas manqué, hein. Vraiment. Déjà que les goujons de la roue là qui explosent, c'était pas la folie. Alors là, je vois s'en passer. Là, autant vous dire que remettre une durite alors que tout est chaud, je sens qu'on va rigoler. Ou pas. Enfin voilà. On vous tient au courant, de toute façon là on va s'arrêter, on est en train de s'arrêter et on va vous filmer tout ça comme d'hab. Elle nous avait pas manqué cette durite. C'est Ginny qui va nous faire la méca sur cette réparation. Bon, on fait des paris sur un manque d'huile et un turbo qui commence à être en PLS. Il a pas fait le bruit, mais il a perdu de la. C'est juste que le turbo il a chaud aussi. C'est pas drôle, mais. Après moult réflexions, nous avons trouvé la panne. Et c'est exactement la même que Méricourt il y a un an, sauf que c'est l'autre côté. Oh putain, mais c'est pas possible, rien là. Alors je t'assure que c'est possible. Quel enfer, mais je connais mon Scoudax quand même. Bah écoutez, pour l'instant nous allons mettre un coup de scotch, parce que de toute façon on n'a que ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein, parce que là on peut pas faire un aller-retour chez Autobac quoi. C'est non, il y a pas comme... de... Y a, fin... Ouais, enfin... Il n'y a pas trop de Autobac, Noroto, tout ça. Là. Ah quel enfer. Si je pète, tu crois que ça démarre? Ça risque de fumer noir par contre. Hein. Pas tomber, il avait des yeux qui pleurent. Qui pleurait. C'est pas mieux qu'on envoie une. Dans ma tête, ça fait. BNB, comme ça, on a les clés. Ouah, ouah, ouah. Il y a une pour récupérer les clés. Ouah, 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 ouah. De toute façon, j'ai senti une différence de puissance, mais pas non plus comme. Ça va. Bon, c'est vrai que t'es passé de 130 à 160, il y avait une grosse différence de puissance. Non, c'est le contraire. Non, c'est... Et à un moment, on était à 130, et puis on a voulu te rattraper, mais on a dû monter à 160 pour te rattraper. Grosse perte de puissance, hein. Grosse perte de puissance, hein. Non, après réflexion, après que tu me l'aies dit, si j'ai... Ah ouais, c'est bizarre. Mais tu sais, l'élan, je gère bien l'élan, tu vois. Ouais. J'arrive. Non, mais on s'est dit, oh oui, évidemment, il y a une côte, il va accélérer un petit peu. Ouais, bah il a pris 160. C'est embêtant, hein. J'ai l'impression que maintenant, à chaque fois que je viens lurcir, je me brûle une fois au moins. Sors-moi ça, Jérémy. Un week-end Corchmas. Cargo là. Oh là. Un week-end comment, gros? Que tu m'ardes. Deux. Quel enfer. Bah, ça va, pour l'instant, ça va quand même. Ça va. On a connu pire, mais bah... ça peut vraiment être chiant si ça se dégrade, par contre. Ah, ça pue de ouf, Jérémy. Parce que là. Ça va être la Golf qui va attracter le Scudo. Et il a déjà fait fumer son embrayage hier, alors. Quoi? Parce que j'ai défait un arbre. Il a arraché un arbre avec sa... Il a arraché un arbre avec ta Golf, ouais. D'accord. Bah, j'ai un attelage. Oui, mais t'as une Golf. Jérémy, il va faire 800 bornes avec la drifteuse. Et j'ai dit, je prends quand même la plaque au cas où. Ah, on t'a pas raconté, on a vu un truc de dingue sur l'autoroute tout à l'heure. On voit genre un... Genre 3008, tu vois, style 3008. C'est pas la meuf, elle a des plaques en carton? Ouais. Elle a écrit au feu sur des plaques en carton, à l'avant, à l'arrière. Elle a des plaques en carton. Il n'y a pas de département, il n'y a rien. Ouais, mais... Il y avait un numéro, une lettre, trois numéros. Et c'était des plaques vraiment dans du carton. Non, s'il vous plaît, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de te chatouiller l'anus? Non, du tout. Ok. Et ben, ça risque de te faire des faits, c'est ça? S'il te plaît, mais ça ne change rien. Vu que mais si. Et si, si tu m'écoutes pas. Tu prends en rallonge, cardan. T'as vu, il y a un calculateur là-bas. Ouais. Bah oui. Merci Sacha. Ouais, bah écoute, je fais ce que je peux en méca, moi, monsieur. Là, c'est une batterie, ça, je crois. Il me semble que c'est ça. Hein. Là, ici, il y avait une boîte à air, je crois. Pas du métier, mais il me semble ça, que c'est ça, c'est le liquide de refroidissement à ne pas ouvrir parce que sinon, ça va nous péter la gueule. Ça, c'est pour le lave-glace, mais comme on n'utilise jamais le lave-glace, on s'en fout. Ça, je sais pas ce que c'est. 3 secondes. Ah, si, c'est pour le frein, non? Pour les freins? Ouais. C'est les freins? Ouais. Ok. Ça, c'est un moteur diesel. Là, c'est un Fovo diesel. Turbo diesel. Turbo diesel. C'est-à-dire qu'il est un peu long à démarrer, mais quand il a démarré, on pas le faire chier quoi. T'y arrives? Ah. Regardez, il est content. C'est beau. Putain, mais mec, c'est de la symétrie en plus, c'est incroyable. Bon, je vais changer. Voilà. Je sais pas si ça va le faire, mais bon. Bah, je vais blinder. Hein. Ouais. En tout cas, non, tu fais bien là. Vas-y. Tu fais ça vachement bien, putain. Ouais. Je suis choqué. J'étais infirmier dans une vie. Oui. T'étais quoi? Infirmier. Infirmier, oh, d'accord. Personne. C'est quoi le rapport avec ça? Bah, tu fais des bandages. J'ai fait des bandages. Si, fais un effort quand même. J'ai pas. Wow. Enfin, si tu bandes ce genre de forme. Bah, quand tu bandes un bras. C'est un bras cassé, ça va vite. Ouais. Enfin, je suis pas sûr que le bandage serve à quelque chose dans le bras cassé, mais. À soutenir le bras cassé. Et si ça marche, t'es un génie. Genre. Et si ça marche, les 800 bornes. Pourquoi 800? Demain, tu sors le backward. Pourquoi sans frein à main. Pourquoi on se la remet?
quoi le jour de la durite? Faut laisser des blancs comme ça. Faut laisser des blancs, c'est obligé. C'est obligé. Ah, faut terminer les paroles. On a perdu la route, t'étais bien. Je m'inquiète même plus, frère. On perd une roue, on perd des durites. Ah, j'ai plus pour que ça me t'inquiète. Ça marche quand même pas. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Deux roues arrachées. Arrachées. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hein, deux roues arrachées, un scudo éventré, tel un fion. Eh, mais je m'inquiète même plus, regarde. Le ralenti de la compacte qui. Ouais. Bon, ça c'était notre faute sans notre faute, mais voilà. Vous aviez mis le débitmètre à l'envers? Non, c'est un autre truc. Vous auriez pu, hein? On aurait pu. Non, en fait, il y a deux durites qui se branchent, on n'a pas mis la bonne. Ouais, voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bah, je crois qu'il y a un électro. Encore les problèmes, mais ça galère. Nous sommes bien arrivés au Airbnb, donc sacré Airbnb, vraiment pas mal du tout, avec des gros bolides. Voilà, Jérémy a réparé la durite. T'es réparateur pilote demain. Ouais, de ouf, je suis mécano pilote. C'est ça. Non mais voilà, bon, on en est encore bien sorti, mais bon, en fait là, il roule, mais si ça s'aggrave, là par contre c'est la mouise. Mais la mouise. Mais bon, on a mis beaucoup de Chatterton. On va voir si on a mis ce qu'on avait. On verra demain si peut-être il y a quelqu'un qui a une durite, mais c'est compliqué. Bon, tu te sens comment avant demain? Je suis excité, je suis stressé, je suis. Un peu tout quoi. Un peu tout. Donc, caca liquide ce soir quoi. Même pas, franchement, même pas. Ça va. Dans ma tête, je me fais plein de films. Genre, je me dis, ouais, je vais faire ça, mais en fait, je vais faire ça. Mais... Ouais, tu verras la première fois, tu vas glissouiller et tu vas dire oh, je prends une langue de ouf. Non, en fait, tu vas regarder les vidéos, tu vas dire c'est moi ça. Non, mais ça m'a fait la même chose. Hein. Les 2-3 premiers tours, je vais aller tranquille. Je vais ah bah, il faut. Déjà, la sensation d'être sur un circuit, de prendre les virages normalement, hein, sur un circuit, déjà, c'est une sensation de ouf. Parce que tu te dis, tu peux pas perdre ton permis. Ouais. Tu peux pas. Genre, t'es libre. C'est une sensation de liberté. Ouais. Et je trouve que c'est ça le mieux, quoi, tu vois. Et surtout, faut faire attention aux autres. Ouais, c'est surtout ça. Surtout faire attention aux autres, bien respecter. Faut pas admirer trop de ma manche forte. Ouais, c'est important. C'est important. C'est important. C'est l'heure, j'ai sorti du garage, je voyais que dalle. Je me dis, bon, bah, si ça fait boum, ça fait boum. Bah, on va dire ça. C'est ça. Bon, en tout cas, on va passer une bonne soirée, tranquillou, ouais, on va pas s'énerver, et puis demain, de toute façon, on va s'énerver, on s'est arrêté, on a réparé en 5 minutes, bon, bah, ça recasse, on a réparé, on verra bien ce que ça donne demain. C'est ça. Ça roule, mais c'est compliqué. De toute façon, on a toujours trouvé des solutions, on a bien changé un pneu sur l'autoroute avec un tournevis et du dégrippant. C'est vrai. On changera un moteur avec une pince à aiguille, c'est tout. Une pince à aiguille. Pince à aiguille, d'accord. Ah, non, mais d'accord. Voilà. On va se coucher, allez, des bisous.